Ouais, enfin, attends, je vais remélanger en vrai, vite fait. Parce que j'ai pas envie de me taper De Nib Gamma, Gamma. de Curved. Quel enfer. Bon, en vrai, Nib Gamma, c'est ok quand tu prends H aussi au Freeze, quoi, c'est tout. Bah, ouais, encore. Gamma, t'as pas trop envie de l'avoir en premier normalement. Enfin, si tu go 1. Ouais, c'est là, c'est vraiment pour le good up, c'est vraiment Après, c'est ok, genre, je fais dans lancement Virtual rapide. World où t'aimes l'avoir en main de départ Ouais, parce que bon, ça clairement. protège tout tes Tout à plays, fait. quoi. Tu fais lancement rapide, tu fais H, je fais gamma, tu vois, c'est ok, Ouais. mais. On va pas lancer les deux. Ouais, même pas. 6 seuls. On a manqué tout à l'heure. Ouais. Bon. Beaucoup moins manqué tout à C'est l'heure. quand même un start pour moi, du coup, hein. Ouais. Normal safe heart. Oula, oui. Effet safe heart. Alors. Discard de ma main pour tuto. Ça passe. Tac. Je sais jamais. J'ai toujours un doute entre lui et Chaos Space. C'est ça, juste un dragon de level 4. Je vais chercher ce que je veux en fait. Ça fait 10 ans que je joue le deck. Hein. J'ai encore des doutes. Wyvern Buster. Hop. J'utilise. Attaquant. Effet attaquant. Ouais, ça passe. Lancement de secteur de goutte. White en bannissant le roquette. Ouais. J'utilise tous les deux. Je vais faire sphère. Effet white pour tuto Ouais. dark. C'était la carte du dessous de mon deck, mais je mélange quand même. Carte de l'héritage du monde. Ouais. Sur safe heart, j'utilise safe heart. Je vais faire LP. Effet dragon pour décaler LP. Ouais. Effet LP pour se mettre du deck. Là-bas. Gamma sur LP. Ça l'a détruit, hein? Annule détruit, ouais. Ça fait mal ça. C'est fait pour. Ça fait mal, ça fait mal. En même temps, tu me diras, normalement, t'as plus rien en main. Alors, réfléchissons à un play intéressant. Qu'est-ce que je peux faire? Un, deux. 1, 2, 3. À toi. Ouh. Je suis au carreau. Pioche. Ouais. Mangue. 4 cartes en main. 4. Ok. Une battle. T'as fait. Bâtard. Ouais, parce que c'est quand même une phase ça. Peu de dégâts en fin de Une main phase si fois tu veux. par tour. Non, c'est une fois par tour de toute façon. Ouais, c'est parce que je vais prendre tout à faire. Bah, du coup, en battle, quand tu la tapes, je la compulse. Ouais. Et t'es saut? Ah, je suis sur saut. Ouais. Yes. Pas trop le choix, et puis ça va être une fin de tour, hein. Ok. Moi, enfin, je t'avais dit que c'était pas si mal. Gros phase. Chaos Space, discard Nib pour aller chercher les Yanir. Ouais, vas-y, hein. C'était encore la carte du dessous de mon deck. On dirait il est trié. Ah bon, quand je joue ça là, le terrain fait la sixième carte, quoi. Bon après ça va, moi j'ai pas une seule target. Spé Black en bannissant Light. Effet Ouais. Chaos Space pour remettre Light dans mon deck avec le Chérin. Vas-y. Je vais te laisser. Parce que je vais piocher. Non, sérieusement, j'ai vu la carte que j'ai piochée, je vais genre, non, sérieusement, T'as pioché quoi? T'as pioché le light? j'ai pioché un gamma. Attaquant, effet.
Tu déclares attaquant ou... Non, je ne déclare pas attaquant, j'ai déjà terrain. Ah, d'accord. Parce que je me disais aussi, plus je dirais attaquant, j'ai effet. Donc, Non, je spé attaquant. C'est la façon qu'il y a du tout de plus dire chilling 1, attaquant, chilling 2. T'as raison, t'as raison. Juste collapse. Tu as raison. J'ai des trucs intéressants. Mais non, faut pas faire n'importe quoi. T'as combien de cartes en main ? 4. 4, tu m'as déjà mis Gamma H. Spé. Bannissant ça. Je les utilise tous les deux. Je vais faire sphère. Le retour de la sphère. Ah oh ouais, trop forte. Cette carte-là dans ce deck-là, elle est incroyable. Alors, c'est pour Foolish, pour Shuffle, c'est 3 darks. Hein. Tac, 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 tac. Ouais, uniquement des darks. 1, 2 et 3. Et celle-ci. Je ne peux pas battle avec Levianir et battle à 0, ça serait pas incroyable. Donc, eh bien, je vais dire fin de tour. Elle a une bonne carte. C'est pas ça? C'est pas vraiment ça, quoi. Norme? Ouais. Déclarer effet sur Indian. Est-ce que si la cible est plus sur le terrain, tu peux plus déclarer l'effet? Ça se résout dans le vide, en fait. Donc du coup, il se passera rien? Il se passera rien. Je garde ma carte en main, puis... T'as deux cartes en main, là? Ouais. Ok, je vais faire sur... Ouais. Effet sphère pour spé, H à nouveau, encore un tour pour tour et encore une fin de tour. Ok, grand phase. Ouais. Battle à 3000. Ça passe. Et je pensais qu'on n'a pas sorti le téléphone pour. Ouais, on n'a pas sorti le compte en live, quoi, c'est vrai. Et bah écoute, fin de tour. Ouais. Je vais piocher. Déjà plus intéressant. Alors. Activer Queen Long. Ouais. Déclarer les listes à Queen Long. Ouais. Ah mince, j'ai une mise à jour à faire. Ouais, on est très content. Ouais. Cette application, tu la lances 20 minutes d'intervalle, t'as deux mises à jour. Hop, je suis chez Nyan Nyan. Effet Lulu sur Lily. Ouais. Foolish Trap. Tuto magie. Ok. T'as eu un monétisation là. Ouais. Donc là, t'as Lulu SP1. Hein. Yep. Je suis à 2. Il fait chuche sur Lulu. Oui. Il fait son niveau de 3. Zolkin. Oui. C'est une carte, effet Zolkin. Oui. Invoquer un dragon synchro de niveau 7 au niveau 8. Oui. Crystal Wing. Oui. Norme Nyan Nyan, effet Nyan Nyan. Je réfléchis. Crystal Wing, c'est une fois par tour. Hein. Ouais. Je réfléchis. T'as sorti ton Talking, meilleur timing. Hein. C'est fait pour. Je vais faire nip. Que tu annules, je peux. Annuler, hein, annuler, détruire. Il ne buff pas son attaque, lui. Et si vous faites une carte, il y a une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit jusqu'à la fin de ce tour. Ah, donc je gagne 3000 attaques sur mon. Ça marche. Je vais faire. Une synchro 6.
T'as trois cartes en main? Ouais. Je réfléchis, parce que bon. Dragon. Ouais. Ouais. Effet du bout dragon. Ouais. Dragoon. Activer colonne. Effet chuche. Ouais. Cible ton Lévianir. Ça marche. Envoyer deux dans le deck pour le péter. Ça marche. Passer en battle. Ouais. 6000, 3000. Et oui. Putain, en fait, j'ai un gamma en main depuis tout à l'heure et j'espérais pouvoir le claquer. Tu sais, faire un Nib into gamma pour répondre, mais t'as pas pété mon Lévianir au timing que je pensais. Laisse-moi deviner, tu commences. Non, c'est toi qui as perdu. C'est bon. J'essaye pour aller deuxième. Oh, quel enculé. Bah oui, je vais start du coup. Évidemment que je vais start. Putain, mais quelle tête de mort. Normal. Ouais. J'utilise. Attaquant. Je réfléchis. Pour ma chaîne. Mon chaîne bloc. Chaîne 1 attaquant. Chaîne 2 black metal. Chaîne 1, chaîne 2. Je réfléchis. Pardon. Autant pour moi. Juste chaîne. Juste blessé black metal. Juste des flips black metal. Je vais chain Lancia. Ok. En vrai, ça va. J'ai vraiment eu peur d'une hache. Parce que ça, au pire, je peux m'en débrouiller pour le sortir avec LP, tu vois. Ouais. Ou Brotor into Pisty, into Dragon Sombre. Je vais faire lancement rapide. Mm-hmm. Ça passe. Ouais. Nous allons chercher Traceur. J'utilise tout ce joli monde. Et je vais faire Sphère. Ok. Ensuite. Wallace Gassy Well Again. Ça passe. Ça passe. Traceur. Je ne peux pas, je ne peux pas. Cependant, toi, tu peux. Je vais l'utiliser. Tu fais LP. Effet LP. Une invocation de LP. Ouais. Fantasmé. Fantasmé sur LP. Ok, ça marche. Tu es drôle. Une, du coup. Non, trois. C'est le nombre de liens que tu contrôles. Nombre de liens que je contrôle, d'accord. Je vérifie, parce que c'est longtemps que la carte. J'ai jamais joué elle cette a disparu depuis un an, la carte. Le nombre de monstres alignés que tu contrôles plus 1, donc je vais piocher 3. Ah, c'est ça. Et renvoyer 2. Okay. Tu renvoies à la fin du tour. Non, maintenant. Tu renvoies maintenant. Ok. C'est comme ça le jeu, en fait, finalement. Ouais. Et ça, il faut que je renvoie maintenant. Je ne trompe pas. Donc je renvoie le nombre de cartes égales au nombre de monstres alignés que tu contrôles. Ok. Faut que je les remélange. Hein. Je pense. Il n'est pas marqué en dessous du deck donc. J'ai mis le doute avec Ryoja quoi. On est bon? Non, on est bon. Effet Dragon pour déplacer? Ouais. Effet LP pour spé? Ouais. Oh. Alors, que vais-je spé?
Mais c'est que je suis obligé de faire un choix relou là. Est-ce que j'ai été obligé de normal summon? C'est vraiment une faiblesse de normal summon dans ce deck. Brotor. Ouais. Il faut Brotor, target LP. Ouais. Et oui, c'était ça mon problème. Ok. Discard Busterlock. Ouais. Tuto DMZ. Bonne carte. J'utilise Brotor. Christine. Ouais. Ah, là, du coup, tu peux pas. Je peux pas normal summon en fait. Ouais. C'est un vrai problème pour moi. Enfin, je peux pas surtout faire mon métallique qui est un vrai problème. Réfléchissons. Comment est-ce que je peux me sortir de là? Effet Pisty, SP Tracer. Ouais. LP Pisty. Romulus, effet Romulus. Ouais. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On s'en porte un petit peu peut-être là. C'était quoi ma stratégie, moi, déjà? Ouais, on va tenter ça. Hein. Du coup, je vais chercher lance. Et bon, je gagne un petit peu de temps hein, sur la lance. Je vais chercher dragon, phalanx aussi. Donc, je mets phalanx ici. J'active lance sur Romulus. Effet lance. Ouais. Équipe. Je remonte phalanx. Un, deux, trois. Je vais partir sur Napoluzza à 3. Et il y a bien une fin de tour. Ok. Je pioche. Ton fantasme il reste sur le terrain. Ouais. C'est la force de fantasme. Tout à fait. Alors, t'as combien de cartes en main? J'ai 3 cartes en main. Et dans le cimetière que tu dois connaître, j'ai Brotor. Brotor, ouais. Brotor qui va s'SP si je détruis un monstre. Exactement. Et qui va me permettre de refaire effet. Dans la main, tu as le terrain. Absolument. Et c'est la seule que je connais, si je ne me trompe pas. Pas de donner d'indication, hein. Bon, on a une phase, hein. Ouais. Je me permets de lire Fantasme. Ouais. Mais c'est quand je spare Link. Donc si je le compulse, tu ne pourras pas le refaire. Je vais. Non, Nyan Nyan. Pourquoi ? Déclarez-lui, Lucien Nyan Nyan. Je vais l'annuler. Battle ? Nyan Nyan va battle à Sphère. Ok, je vais répondre avec Sphère pour qu'on puisse. Fantasmé ? Je vais répondre avec Fantasmé. Discard Lulu pour annuler et détruire l'effet. Est-ce que, vu que c'est un cost de sacrifier, est-ce que ça trigger son effet quand même? Bah, il est sacrifié donc tu peux. Voilà, je peux spé mais ça compulse pas. Oui, ok, oui. Ça marche. Bah, je vais spé quand même du coup.
Et nous allons spé un absoluteur. Pas d'attaque, pas de défense. Pas d'attaque, pas de défense. 1006 sur Paulza. Ouais, et 0-0 sur. Absoluteur, c'est quand il est détruit qu'il tuto. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, quand il va au cimetière. Ouais. Quand il va au cimetière, hein, tout simplement. Ok. Ouais. Je réfléchis. On est toujours en battle. Hein. On est toujours en battle. Fantasme, on va aller taper à Paulza. Ouais. 2004 sur 1006, tu prends 800. 800. Est-ce que ça permet de trigger mon Brotor ou pas? À moins que vous contrôlez. Bah ouais, on va faire Brotor. Ouais. Spé Brotor, effet Brotor, trigger, target absoluteur. Ouais. Réfléchissons. Discard DMZ. Pour tuto. Ouais. Un Dark. Un Dark, tout simplement. Cherche à les gagner. Après, il est banni. Ah, je sais. Ah, t'es parti chercher les Vianir. Oui, que j'ai ajouté à ma main, qui est juste ici. Ok. Je réfléchis si je battle avec Nianian ou pas. Moi, bon, je serais toi, je battlerai au moins Omnibrotor juste histoire que j'ai pas de cartes. Ouais, c'est ce que je me disais, quoi. Je vais battre le Brotor juste pour te. C'est juste histoire que j'ai pas de deux cartes, je vais pas refaire une sphère gratos, ouais. Quoi. C'est exactement ça. Mais une phase 2, du coup. Ouais. J'ai déclaré Chigi sur Nianian. Ouais. Deux cartes en main ? Ouais, deux. Ok. Donc là, c'est un tuneur, un non-tuneur ? Non, deux non-tuneurs. Deux non-tuneurs. Yannel n'a pas été invoqué par son effet, c'est non-tuneur. Bah oui, j'ai toujours un doute sur ça. Ouais. Activer Zalou. Ouais. Reborn Lulu. Ouais. Discard Lulu. Oh. Synchro 6 pour Coral Dragon. Ouais. Synchro 9, ouais. Pour Shen Shen, effet Coral. Ouais. Attaque tout mon deck. Je suis pas sûr. Je vais droit 1. Ouais. Activer Kolun. C'est Queen Long. Ouais. Ça c'est banni à cause de Shen Shen. Bannir Lulu annule absoluteur. Ok. C'est à vie? Non, c'est pour le tour, je crois. Ok. C'est juste l'histoire de faire effet Lulu en fait. Non, en fait, c'est juste l'histoire d'avoir. Attends. Ouais, j'avais pas besoin de le faire, c'est pas grave. J'ai dit pourquoi j'ai eu 3 cartes? En fait, c'est que j'en ai banni une automatiquement avec. Non, c'est juste pour avoir des cartes bannies en fait. Ok. Simplement. Je vais fetch une carte. Ouais. T'as pas de battle phase, hein? Non, en une phase. Ouais. Récupérer lui avec l'effet de GG. Ouais. Ouais. C'est okay. Bon, j'ai bien activé. Ça marche.
et fin de tour. Ok. Rephase. Spell Levianir en bannissant des Dark et des Light pour péter 2 sur le terrain. Ouais. Est-ce que tu dois target avant ou quoi? Non, ça target pas tout court en plus. C'est juste destroy two cards in. C'est que des dark, hein? Non, c'est que des dark. Ouais, c'est light. Deux dark, c'est shuffle 1. Okay. Bah, t'es deux cartes sur le terrain. Donc, en gros, si tu veux répondre, c'est maintenant. Ouais. Parce que sinon, tu sais pas. Enfin, en gros, je vais péter deux cartes. Et tu sais pas lesquelles. Tu sais pas lesquelles. Ouais. Tu n'as pas encore décidé au final. Enfin, même si j'avais décidé, exactement, ça changera le. Ouais. Potentiellement le play. Activer Chuch et péter les Vianir. Hein. Ouais. Du coup, est-ce que mon effet du Vianir passe? Oui, il passe. Hein. Il n'y a pas marqué qu'il doit être sur le terrain pour la résolution. Donc... Du coup, elle est bannie. Bannie à cause du Chuch. Et du coup, je vais péter ça et ça. Ça et ça, pardon. Ok. Qu'il a déjà fait était qu'on soit is ok. Pardon, excuse-moi. Je réfléchis. Je fais normal. Ouais. Je fais la ban. Spé. Je vais faire effet. Effet pour reborn. DMZ. Je vais les utiliser tous les deux. Faire sphère. Effet. On a pseudo. Traceur. Terrain. Spé traceur. Effet traceur. Ouais. Pète de regard. Ouais. Pourquoi je joue deux rechargeurs? Pour cette raison-là. C'est exactement pour ça. J'utilise tous les deux. Savage, effet Savage, Apo à 4, donc pas d'attaque mais 4 d'annulation. Ouais. Effet DMZ, target traceur, target à Borel, ouais. Borel, Busterlock, je vais rentrer en battle, taper à 3000 sur ton fantasmé. Ouais. Tu vas faire un tour. Je prends 600. Je pioche. Ouais. Standby, oui. Main phase, oui. Activer qu'une langue. Je vais répondre avec sphère. Tu vas la sacrifier pour envoyer Chuch à ta main. Ouais. Je vais chain Chuch. Ouais. Pour péter ton Borel. Bon, je vais l'annuler du coup. Du coup, c'était pas très intéressant intelligent de faire ça. Du coup, je vais quand même péter un. Je vais spé. Qu'est-ce que je peux spé d'intéressant? En vrai, je vais spé un octo, hein, juste pour le bonus de droit. On est d'accord que tu peux pas réactiver Chuch aussi, toi? Non, je peux pas. Ouais. Tom Borel a 3000 d'attaque. Hein. Exactement. Et il a pas de buff du tout, puisque. Oui, il a 3000. Je voulais juste avoir une carte qui tienne dans le temps en fait. Ah, c'est juste 3000. Hein. En vrai, j'aurais pu mettre Romulus. Hein, parce que deux tours, ça suffit, je pense. Avec le Buster Lock. Tac. Vu qu'on est sur une game méta. Enfin, méta. Un petit peu plus complète que des games qu'on peut faire habituellement. Si jamais tu vois que tu peux pas la gagner, on peut la scoop. Ça évitera que la vidéo soit trop longue. Oui, non. Mais... Non, mais enfin, je préfère le dire. Je pense que je peux quand même tenter. Ok. De toute façon, là, j'ai plus de réponse, hein. Si ce n'est que t'as pas d'extra avec. Non, Lulu. Ok. Là-haut, sur Lulu. Ouais. En gros, si je la perds, c'est uniquement parce que j'ai fait sphère bêtement et que j'aurais pu compulser Lulu. Ouais. Ok. Enfin, si je la perds. Enfin. Après, la. Ouais, t'as fait la sphère un petit peu vite, je trouve. Je pense que je suis. Ouais, j'aurais dû... En fait, j'aurais dû attendre. Après, compliqué aussi, quoi. Attaque.
Ah si, en fait, j'ai un buff. Au fait, si, si, j'ai un buff. J'ai 500 d'attaque de plus grâce à la Buster Lock. Ah oui, j'avais oublié. Ah, effectivement, c'est pas pareil. J'avais oublié parce que c'est DMZ qui dit ça. Cible un monstre dans le cimetière, équipez-le à une carte, enfin, comme une carte magie et il fait gagner 500 d'attaque. J'avais oublié ce détail. Ouais. Je réfléchis, mais bon, globalement. Ça sent pas bon quoi, quand il y a la Buster Lock. Bah, la Buster Lock sur un deck qui dépense son extra deck, c'est. Et surtout que le seul moyen que tu la perdes en général, c'est que tu me négates ta chute. Oui. Et oui, c'est pour ça que je me suis focus dessus. Ouais. Je savais que c'était ta porte de sortie pour péter Buster Lock, quoi. Oui, clairement. Qu'est-ce que j'allais foulir chez moi? Magie au piège? Les 500 attaques du Buster me mettent pas bien. Ouais, c'est ça qui te bloque en fait finalement. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça qui pose problème, je pense que. Je pense que je la scoop quand même. Ok, ça marche. Et bah, du coup, dernière. Mais une phase ? Ouais. Oh. Ok. Ou 6 du coup? Ouais, 6 je pense. 4 5 et 6. Ah, je blesse. C'est obligé en fait, t'as pas le choix, gamin. Okay. J'ai pas le choix, je peux pas laisser passer Pau. Donc, je fais mon driver, mélanger. Et tu pioches, et tu regardes 6. Je regarde 6. Et tu choisis. Je réfléchis à la zone, pas vraiment d'importance, mais bon. Tu me diras au moins, t'as plus que 3 cartes en main. Hein. Ouais. Enfin, 4 cartes. D'abord, j'ai un body niveau 6 sur le terrain, quoi. T'as un body niveau 6 et un body niveau 2, donc soit tu fais une synchro 8, mais je crois pas que t'en joues. Soit tu pars sur du X6 gratos. Eh, le gamma, il fait mal. Hein. Ouais. C'est typiquement pour ce genre de cas que je garde. Ah ouais, clairement. Mon gamma, même quand tu gagnes. Alors même quand je go 1, je garde le gamin parce que les lancers qui sont lâchés en lieu de stand-by. 3, 4, 5, 6. Ah, je propose que tu prennes peau. Je propose que non. Je propose clairement que non. Voilà, normalement, si je connais bien ton deck, soit tu vas prendre une des deux trappes, soit tu prends ce monstre-là. Enfin, c'est les mêmes de toute façon, mais. Nien, nien. Ouais. Pas l'autre, quoi. Enfin, ça dépend de ta main, mais souvent, c'est ce que tu vas lécher. Mais je pense plutôt que tu vas chercher une des deux trappes. Tu vas chercher l'autre monstre du coup ? Là-haut, ouais. Ok. C'est vrai que là-haut, tu t'en sers moins la plupart du temps. C'est pour ça que. Après, je remets en dessous du deck. Et je te laisse play maintenant. Dans l'ordre de mon choix. Activer Kunlong ? Ouais. Putain, elle est Kunlong en main, quoi. Là-haut, ça Kunlong ? Ouais. Fouichuch. Ah non. Ah oui, non, tu foolish autre chose que ta target. Ok. Je suis une trappe, donc je pourrais très bien la foolish. Oui, toi. Mais c'est pour c'est que souvent c'est ce que tu fais, mais je suppose que t'as un avantage à faire ça. Hop. X6. Non, X6, c'est overlay. Là, j'évoque Tolkien. Ok. Ça marche. C'est ma troisième, quatrième. Ouais. Je vais faire une carte. Effet. Effet Tolkien. Hop. Ok. Activer Kowloon ? Ouais. Pourquoi tu avais 7 1 du coup ? Pour trigger l'effet de Tolkien, c'est obligatoire en fait. D'accord. L'effet c'est trigger quand tu poses une MP okay. Sur la main. Hop, je vais retourner. Ok. Tu veux Gigi sur Chuche ? Oui. Effet Nyanyan ? Oui. C'est pas en bout de dragon. Yep. Et. Effet Nyanyan ? Oui. Envoyer une carte bannie. Oh, c'est tellement overkill. C'est tellement c'est overkill. Énorme.
Le fait que tu puisses claquer un pot comme ça, en ouais, mode vas-y, je m'en fiche complètement, je vais, la carte que j'ai bannie qui m'intéresse, je vais la renvoyer de toute façon. C'est incroyable. Effet, Blue Dragon. Oui, oui, hein. Tu le prends plus en ce moment, Magicien des Ténèbres, et tu fais directement un petit dragon. Dragon qui a vu son prix exploser. Ah oui, oui, clairement, j'ai regardé hier pour montrer à Kevin, il est passé à 60€. Non, mais c'est hallucinant. Les US sont à 75€ quasiment, il me semble. Bah, je suis bien content d'avoir mon playset, enfin mon package en US. Le prix a flambé. Bah, c'était prévisible. Déjà, alors, faut quand même prendre l'exemple, c'est souvent le cas, mais il y a un gars qui a top avec un deck basé à base de Dragon récemment. Donc forcément, bon, on voit ça. Rappelle-toi les. Après, Dragoon est la dernière carte, j'ai envie de dire, qui est. Ah oui, non, qui est une target à la banniste, qui n'a pas encore été ban. Je pense même pas qu'elle sera touchée en soi. Peut-être, s'il y a quelque chose qui est touché, c'est la fusion Red Eyes. Ou peut-être. En fait, ils avaient fait ça, ils avaient mis Verte Anaconda et Fusion Red Eyes à 1, parce que tous les decks ils faisaient comme les Lich actuellement, c'est-à-dire jouer 3 fusions. Ouais, clairement. Bah, ça, c'est encore autre chose, c'est plutôt à cause de Maxé en fait. Aussi, mais clairement, le fait que tu puisses avoir comme ça Dragoon gratuitement. Ouais, oui, c'est clair. Donc là, on est d'accord que t'as pas Effet Queen Long. Ouais. Pour négate mon gamma, j'ai bannir Kowloon. Ok. Et là, une phase, effet Gigi. Ouais, ah ouais, tu remets quand même un à ta main. Okay. Parce que sinon, je me suis dit, ok, t'as Dragoon, mais t'as pas. Déjà, t'as pas l'effet de péter et ensuite t'as pas l'effet de négate. Ah, là, c'est ça. Ok. Draw phase. Non, mais Dragoon est vraiment une carte qui, du coup, a l'épée de Damoclès sur sa tête. Ouais, que ouais. Que VFD l'a prise. Ouais, clairement. Lancement rapide. Lancement rapide, ouais, ça va passer. Hein. Mon gamma était banni en une fois. Ouais, ton gamma est banni, ouais. Et là, clairement, la hache qui me carrie bien. Mmh. Ah ouais, clairement, parce que la hache te PL finalement sur cette game. J'utilise un traceur, attaquant, effet attaquant. Effet attaquant, ouais. Donc là, on doit jouer autour de deux annulations. Et une destruction. Et une destruction. Moi je dis ça se tente. Normal Seifert. Ouais. Effet Seifert. Tu dois enlever le 4. Je réfléchis. T'as combien encore en main? J'ai 3 en main encore. 3, t'as tuto ton terrain? J'ai tuto mon terrain. Donc 2 inconnus. Sachant que t'as pas de. T'as claqué de entrap. Je vais negate Crystal Wing. Crystal Wing negate. Il annule et détruit si je ne me trompe pas. Ça détruit? Je suis pas sûr que ça détruit. Hein. Annule l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre. Ça marche. Et si vous le faites, il gagne une TK d'attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit. Ça marche, pas de soucis. Je vais faire effet attaquant pour le détruire. Et remettre sur ma main. Ça passe. Lancement rapide. Effet lancement rapide. Si je le détruis, tu ne peux pas spé normalement, c'est ça? Exactement. T'as pas de carte sur le terrain. Je réfléchis. Traceur en main plus deux inconnus. Ouais, ça passe. C'est très bien joué. J'espérais de le plus profond de mon cœur que tu l'annules. Mais du coup, effet, du coup, traceur. Ouais. Les traceurs pour péter lancement rapide. Là, je viens avec Dragoon. Tu n'as gagné avec Dragoon. Yes. War Legacy Succession. Effet. Et là, je vais annuler avec. Enfin, je vais détruire ta Legacy avec Chuche. Est-ce que mon Reborn passe quand même ou pas? C'est pas une carte magie d'équipement, c'est une carte magie continue. Justement, les magies continues, alors en fait, il faut voir. Normalement. En fait, je sais pas parce que. Est-ce que ça s'active l'activation? Non, ça, c'est pas. C'est un effet que j'active après, en fait. Ouais. Pour moi, le Reborn passe. Mais. Ouais, si le Reborn passe, j'ai pas d'intérêt à. À chaîne avec Chuche.
Bon, on part du principe que ça passe, okay. Pour moi, donc ça marche. Pas d'effet de chuche. À mon dragon que je suis bien content d'avoir chopé dans les mégatines. Ouais, tu m'étonnes. C'était un bon achat en vrai. Ouais. Un bon achat. Ton dragon, il est pas destructible au combat, c'est ça, hein? Si, au combat, oui, mais pas destructible par effet de carte. Ok. Et il a 4000 vu qu'il a négate une fois. Ouais, c'est un problème, les 4000. 4000, c'est vraiment fort. 4000 et 4008. Yes. De toute façon, je suis lock en dark. Bah écoute, de toute façon, on va le tenter, hein. Effet. Ouh. Ouais. Bah, c'est ma seule porte de sortie. Ouais, ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le Chaos Space qui va au cimetière. Quel plaisir! En plus, c'est une Wyvern. Et en plus, j'ai une Wyvern. Donc, on va ajouter la Wyvern. Voilà. Et foolish le Chaos Space. Bon, le sword n'est pas effectué par effet de carte, hein? Ou c'est au combat seulement? Sword par au combat. Au combat, ouais. Bonne question, en fait. Parce que je me dis ça au moment où tu remontes le board, c'est sword, quoi. By battle. By battle. Ouais. Du coup, spé en bannissant un dark. Qu'est-ce qu'on va bannir? En vrai, on va bannir traceur. Non. En vrai, on va bannir attaquant. Effet Chaos Space. On met attaquant, pioche 1. Ouais. Non, un mauvais deck. Pas le bon endroit. Je réfléchis, j'ai des moyens de... Maintenant, j'ai plus de moyens de jouer maintenant. Ouais. Faut dire que le ruler, il t'a mis vraiment bien sur la main. Ben, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit, en gros, lui, il faut pas hésiter à en abuser. Parce que, en vrai, des fois, il te sort de situation, mais t'es là, genre. Comment je c'est joue, possible? Et là, il te met le Wizard Master et Chaos Space, et t'es là en mode. Vraiment, des fois, t'es là, genre. J'utilise tous les deux. Ouais. Sphère. Ouais. Effet pour tuto le dark. Ouais. Et franchement, le foolish de Chaos Space, c'est quelque chose d'incroyable. C'est monstrueux, c'est vraiment ce qui manquait au deck, c'est envoyer Chaos Space sans avoir besoin de tuto. C'est quoi. Exactement, c'est vraiment quelque chose de giga fort. Hein. Tu Et plus dépendant de l'open en main de départ pour pouvoir faire son effet de gros et ça. Des fois, tu passes des trucs, tu te dis mais. Quoi? Comment c'est possible? C'est giga. C'est limite comme meuler une fusion métal fausse qui permet de la renvoyer dans le deck pour piocher. Hein, quoi. C'est exact. Franchement, c'est exact. Bah, c'est le play en fait en soi, mais c'est exactement. C'est limite même plus fort vu que tu peux renvoyer une carte d'extra, ce qui fait que tu restes encore. Tu restes à un nombre de cartes et t'as pas la chance de repiocher une carte que t'as. Et en bannissant un light. Ouais. J'ai pas trop le choix. Hein. Effet. Chuche, du coup, J'ai une chuche, je peux pas laisser passer le pic. Évidemment, c'est annule détruit. Hein. Enfin, non, ça annule pas. Ça juste détruit, mais comme ouais, tu as plus de zones pointées, tu ne peux plus invoquer. Tu sais qu'en vrai, du coup, ça suffit à ce que ça m'emmerde énormément. Hein. Ouais. Parce qu'en vrai, j'avais un recovery, mais. C'est juste ma draw de Chaos Space qui est dégueulasse, quoi. Je vais faire effet. Je vais expliquer en bannissant en dark et en light. Très bien, ça va très très bien. Position de défense. Et un deuxième effet. Tac 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 tac. Non. Je vais dire fin de tour. Ok. Je vais piocher. Ouais. Stand by main. Ouais. Action avec long. Ouais. Je peux pas le cibler, hein. Ça cible. Je peux pas le cibler. Cette carte, on peut sacrifier. Renvoyer une carte. Non, par contre, je peux la renvoyer. Donc, je vais faire effet faux. Saut, renvoie dragon. Effet saut, renvoie dragon. Je vais. Négater Crystal Wing. Ok, effet saut.
Pour ce fait. D'abord, on résume ma chaîne. Ok, ça marche. Pardon, excuse-moi. Pas de soucis. Tuto un virtual world. Je vais devoir discard, je vais discard gamma. Ok. Et faisceau ? Et faisceau, je réfléchis. Gate. Avec Dragon, du coup ? Ouais. Donc t'as dit Gate la première avec Crystal Wing, la deuxième avec Dragon. Ouais. Ok, ça marche. Effet Queen Long ? Ouais. Sur ton Chaos ? Ouais, rappelle-moi. Je vais pouvoir bannir un Virtual World pour annuler son effet. Ok. Du coup, vu que son effet est annulé, est-ce que quand il quitte le terrain, il est banni ou pas? Puisque son effet, c'est que vu qu'il a été spé une première fois... Alors, je pense que c'est un effet qui s'est activé dans le cimetière. Ouais, je pense aussi. Je pense mais aussi. Ouais, ça me fait un peu penser au matériel, tu sais, au matériel Xyz. C'est un effet rapide de le reborn? Non. Non, c'est pas un effet rapide. Parce que mon dragon, je serais tenté de dire que ça passe pas, hein. Mais c'était une question, vu que tu l'annules... S'il quitte le terrain, est-ce que son effet existe ou pas du coup, tout simplement. Du coup je vais déclarer chuche. Ouais. Envoyer deux cartes péter dans chaos. Ouais. Passer en battle. Ouais. Taper à 5000. Ouais. Taper à 3000. Mmh. Voilà. Oh. Voilà pour encore le double gamma. Le double gamma, c'est vraiment incroyable. Bon bah Didi. Je vais aussi.